sénatrice. Nous pourrons bientôt nous poser sur Coruscant. Très bien, lieutenant. On a réussi. J'ai eu tort de revenir. Ce vote est très important. Venez. Sénatrice Amidala, cette tragédie sur la plateforme, épouvantable. Je crois que c'est le comte Dooku qui l'a fomenté. Le comte Dooku fut jadis un Jedi. Il n'a jamais assassiné personne. Maître Jedi, je pense qu'il conviendrait de placer la sénatrice sous la protection de vos excellences. Je pensais faire appel à quelqu'un que vous connaissez bien. Annie ? C'est fou ce que tu as grandi. Vous aussi ? Je veux dire, vous êtes de plus en plus belle. Bien. Maintenant que les retrouvailles sont terminées, laissez-nous vous escorter jusqu'à vos quartiers, sénatrice. Ce n'est pas de protection dont j'ai besoin, c'est de réponse à mes questions. Je veux savoir qui s'attaque à moi. Nous sommes là pour vous défendre, en aucun cas pour enquêter. Nous allons démasquer ceux qui s'en prennent à vous, Padmé. Je vous le promets. Nous resterons dans les limites de notre mission, jeune Padawan. Vous pensez qu'à assurer encore mieux sa sécurité, maître, je vous assure. Peut-être que votre seule présence suffira à décourager mes mystérieux agresseurs. Maintenant, si vous le permettez, je vais me retirer. Qui t'a engagé? Un chasseur de primes du nom de... Une pointe empoisonnée. Ah. On va devoir se séparer. Accompagne la sénatrice Amidala sur Naboo. Elle y sera plus en sécurité. R4, tu vas pouvoir me rendre un service. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Installe-toi, j'arrive tout de suite. Peux-tu me dire ce que c'est que ça? Il s'agit ni plus ni moins de Kamino Saveur d'Art. Kamino, ça ne me dit pas grand-chose. C'est dans la République? Non, c'est au-delà de la bordure extérieure. Les Kaminiens ne vivent qu'entre eux. Ce sont des cloneurs. Des cloneurs? Non, R4. Je ne me souviens pas avoir vu Kamino sur les cartes. Allons voir aux archives. Selon les indications que j'ai, il devrait se trouver dans ce secteur, au sud du détal de Richie. Mais l'endroit est désert. Une planète? Maître Obi-Wan a perdu? C'est embêtant. Il n'y a rien ici. Demeure la mémoire gravitationnelle. Hein? Très bien. Entre le point où convergent les forces gravitationnelles et ta planète, tu trouveras. Mais Maître Yoda, qui aurait pu supprimer les documents archivés? C'est impossible. Seul un Jedi aurait pu faire une chose pareille. Mais qui et pourquoi? Difficile à dire. À méditer là-dessus, je vais m'employer.
R4, la voilà. Kamino, notre planète disparue, est exactement à sa place. Dites à votre maître que sa commande sera bien prête dans les délais. 200 000 unités sont déjà prêtes et 1 million d'autres seront bientôt terminées. Je suis sûr qu'il aurait été fier de l'armée que nous lui avons créée. L'armée? Oui, l'armée de clones. Mais vous devez être impatient d'inspecter vous-même ces unités. Est-ce que mon maître vous a dit à qui était destinée cette armée lorsqu'il a passé commande? Bien entendu. Le maître Jedi Sifo Dyas est bien toujours membre du Conseil des Jedi, non? Pardon? Maître? Cela fait presque 10 ans que maître Sifo Dyas nous a quittés. Croyez bien que je suis désolé de l'apprendre. Très impressionnant. J'espérais bien que vous seriez satisfait. Nos clones sont dotés d'une pensée créative. Vous constaterez qu'ils sont immensément supérieurs aux droïdes. Je suis sûr qu'il ne parle pas de toi, R4. Vous parliez de croissance accélérée. Oui, c'est essentiel. Sans cela, il faudrait toute une vie pour amener un clone à maturité. Maintenant, il nous faut 2 fois moins de temps. Je vois. Ils sont totalement soumis. Ils obéissent à n'importe quel ordre sans poser de questions. Nous avons modifié leur structure génétique pour les rendre moins indépendants que le sujet d'origine. Et qui était ce sujet d'origine? Un chasseur de primes du nom de Jango Fett. J'aimerais beaucoup rencontrer ce Jango Fett. À part ses appointements qui sont considérables, Fett n'a exigé qu'une chose, un clone non modifié pour son usage personnel. Curieux. Non modifié. Un double génétiquement pur, sans altération de sa structure, pour le rendre plus docile et sans accélération de croissance. Oh. Vos clones sont très impressionnants. Vous en êtes fiers, j'imagine. Qui vous a engagé pour ce travail? J'ai été recruté par un nommé Tyrannus. Vous êtes content de votre armée? J'ai hâte de voir ces clones passer à l'action. Merci infiniment de votre accueil. C'est toujours un plaisir de parler à un Jedi. J'ai l'étrange sentiment que ce chasseur de primes est l'assassin que nous recherchons. Oh! Devons nous dépêcher de les suivre. Allons-y. Papa, je crois qu'on est poursuivis. Accroche-toi, on va entrer dans le champ d'astéroïdes. Il y a encore quelques petites surprises pour lui. Tiens-toi prêt. Tire, papa, vas-y! R4, prépare-toi à larguer les caisses de pièces détachées. Concentration de vaisseaux de la Fédération anormale dans ce secteur.
les Jedi seront complètement dépassés. Tu as encore fait un cauchemar. Un Jedi ne fait pas de cauchemar. J'ai vu ma mère. Je dois lui porter secours. Je viens avec toi. Comme ça, tu pourras continuer de me protéger. Honey. Le petit Honey. On peut dire que tu as poussé, hein? Un Jedi. Eh ben dis donc. Ma mère voit tout. Shmi, je l'ai vendu. Il y a des années de ça. Je l'ai vendu à un cultivateur d'humidité, un certain Lars. Le business, c'est le business. Tu sais où ils sont maintenant? Ils sont très loin d'ici. Ils habitent quelque part de l'autre côté de Mos Eisley. 3PO? Le créateur. Mais, Annie, j'étais sûr que vous reviendriez. Owen Lars. Est-ce que ma mère est là? Non, elle n'est pas là. Shmi est ma femme. Elle était presque à mi-chemin quand ils l'ont capturée. Toute une meute de pillards de Skye. Où est-ce que tu vas? Chercher ma mère. Pourquoi est-ce que je n'ai rien pu faire? Anakin, mon émetteur a été endommagé. Retransmets ce message à Coruscant. J'ai suivi la piste de Jango Fett jusqu'aux fonderies de droïdes de Géonosis. Le comte Dooku y forme une armée de droïdes. Attendez. Anakin. Reste où tu es. Protège la sénatrice coûte que coûte. Nous allons nous occuper du comte Dooku. Ils arriveront trop tard pour le sauver. Je vais aider Obi-Wan. Si tu veux veiller sur moi, il faudra que tu m'accompagnes. Je n'ai pas l'intention de déclencher un conflit. C'est par la voie diplomatique que je veux régler cette affaire. Diplomatique, sénatrice? Ça, c'est de la négociation musclée. Des machines qui crèvent. Au chancelier suprême. Mon premier acte concret, fort de ma nouvelle autorité, sera de créer une grande armée de la République pour contrer la menace grandissante des séparatistes. Je pars pour Géonosis avec ce qui nous reste de Jedi, secourir Obi-Wan. Visite, je vais rendre au cloneur sur Kamino. On a décidé de venir vous délivrer. Oh, bravo. Incroyable.
comme un mauvais pressentiment tout d'un coup. Pas de panique, concentre-toi. Oui, mais pas de mais. Elle a l'air au sommet de sa forme. Maître Windu, quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Bravo pour ce vaillant baroud d'honneur, mais vous ne serez jamais assez nombreux. Attention! Mon maître ne pardonnera jamais cette perfidie à la République. Je vais emmener les plans avec moi sur Coruscant. Ils seront plus en sécurité. Si Dooku s'échappe, de nouveaux systèmes à sa cause, il risque de rallier. Regardez là! C'est Dooku! Je ne l'abandonnerai jamais. Tes sentiments personnels ne doivent pas interférer. Poursuivez le spinner. Nous sommes coincés. Mon pouvoir est trop grand et tu manques encore d'entraînement, mon garçon. On l'affronte à deux. Passe lentement par la gauche. Non, je m'en occupe tout seul. Non, Anakin, non! Mes pouvoirs de Jedi surpassent largement les vôtres. Baissez votre sabre. Je n'en suis pas si sûr. Vous ne vous mêlerez plus jamais de nos affaires. Maître Kenobi, vous me décevez beaucoup. Plus puissant tu es devenu, Dooku. Le côté obscur se perçoit en toi. J'ai désormais plus de pouvoir que tous les Jedi. Beaucoup encore, il te reste à apprendre. Bien battu, tu t'es, mon ancien padawan. Ce n'était qu'un prélude. Anakin. Yeah.
Bienvenue, Seigneur Tyrannus. Vous avez fait merveille. J'ai une bonne nouvelle, Monseigneur. La guerre a débuté. Parfait. Tout se déroule comme prévu. Ha ha ha!